Assalamu alaikum, je suis très content de poursuivre avec vous cette rubrique consacrée à la jurisprudence. Donc la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on avait évoqué le sujet concernant la mort. On avait introduit un petit peu la définition de la mort en islam. Donc aujourd'hui, pour faciliter la compréhension, on poursuivra toujours sous cette forme de questions-réponses. D'accord, alors justement, ma première question va être la suivante. Si on se retrouve face à un musulman qui agonise, que doit-on faire? Eh bien, il faut tout d'abord l'orienter d'une certaine façon. Il faut le mettre sur le dos et le diriger de façon à ce que le plat de ses pieds soit vers la Qibla, c'est-à-dire qu'il soit dirigé en direction de la Mecque. D'accord, alors quelles vont être les recommandations pour cette personne agonisante? Eh bien, il est recommandé de lui faire prononcer les deux professions de foi, qu'on appelle le shahadatayn, c'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et j'atteste que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Et ensuite, une fois qu'on lui a fait prononcer ça, il est incité on l'incite à reconnaître le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, que les prix de Dieu sont sur lui ainsi que sur sa sainte famille, et également les imams de sa sainte famille, sur eux tous la paix. Et après ces recommandations-là, il est également très conseillé de lire à son chevet la sourate As-Saffa, c'est-à-dire la sourate les rangées, car, dit-on, elle facilite le retrait de l'âme. D'accord, alors par rapport aux choses interdites, est-ce qu'il y a des choses à faire? Enfin, est-ce qu'il y a des choses interdites à faire? Attends, Smaïlia, c'est quoi la question là? Attends. Y a-t-il des choses interdites à faire à l'agonisant, c'est ça? C'est ça la question? Y a-t-il des choses interdites? Non, en fait, je me suis trompé. C'était des choses interdites à ne pas À ne faire. pas faire, d'accord, ok, mais c'est pas grave, après ça, je vais couper. Donc, on peut se demander aussi, est-ce qu'il y a des choses interdites à ne pas faire devant l'agonisant? Oui, il est interdit qu'une personne qui est en état d'impureté majeure, qui accompagne l'agonisant, parce qu'elle est en état d'impureté, donc elle ne peut pas être près d'un agonisant. De même pour une femme qui a les menstrues, qui a ses règles, et il est également interdit pour elle d'être à côté de l'agonisant. Et dernière chose, il est également interdit de toucher l'agonisant lors de la retrait de l'âme. Quand l'agonisant est sur le point que son âme sorte, il est interdit de le toucher. D'accord, alors lorsqu'il meurt, parce que là on parlait de la personne qui était agonisante, donc sur le point de mourir, mais lorsque cette personne décède, que doit-on faire concrètement? Eh bien, une fois que l'agonisant meurt, il est recommandé de lui fermer les yeux, de la bouche également, et d'étendre ses bras le long de son corps et d'étendre également ses jambes. Ensuite, il faut le couvrir, lire le Coran à son chevet, éclairer sa maison où il habitait. Et à ce moment-là, on peut informer les croyants de son décès afin qu'ils assistent à son enterrement. Et il est recommandé de l'enterrer le plus rapidement possible, bien évidemment après l'avoir lavé. D'accord, alors justement, ça fait une transition qui est toute faite. Qui concrètement va laver le mort? Ah bien, en islam, un homme doit laver un homme mort et une femme doit laver une femme morte. Et il faut savoir que les époux peuvent se laver entre eux. Par contre, un enfant mort, que ce soit un garçon ou une fille, elle peut être lavée soit par un homme, soit par une femme. Et également, les personnes mahram, c'est-à-dire les personnes qui ont un lien de parenté par le sang ou par le lait, avec cette personne défunte, elles peuvent laver le mort, même s'il est de sexe opposé. Mais ça, c'est vraiment quand on n'a pas trouvé une personne de même sexe pour laver le mort. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une particularité pour les morts-nés ou pour les avortants? Oui, faut savoir qu'en islam, si le bébé a atteint 4 mois, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que l'esprit lui est insufflé, on peut le laver et l'enterrer. Par contre, ça c'est, il faut le savoir, la prière n'est ni obligatoire ni recommandée pour ce bébé-là qui est mort à cet âge-là. أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله.